parce que nous avions lancé une campagne de récolte de vivres en faveur de nos militaires, donc les FARDC, qui sont au front contre les M23. Parce que nous savons comment est-ce que cette rébellion ou ces terroristes ils sont en train de vouloir attaquer le pays. Et nous sommes dit qu'il faut être en solidarité avec nos militaires. Donc c'est comme ça qu'on a lancé la campagne. On est passé dans des marchés, à Birere, à Virunga, pour récolter ce que les gens, les populations ordinaires, en fait, ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, nous sommes ici au bureau du secteur Sokola 2, parce que nous voulons remettre tout ce qu'on a eu de la population de Goma. Donc tout ce qu'on amène ici, c'est vraiment symbolique. C'est un acte symbolique et qui prouve à suffisance, en fait, notre soutien et notre solidarité à l'armée. Voilà. Alors, au nom du commandant secteur opérationnel Sokola 2 qui est empêché, nous vous remercions au nom du commandant secteur pour ces gestes. Cela prouve à suffisance que vous êtes derrière votre armée, les FARDC, qui est une. Et une seule. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Donc, courage. Courage dans le cadre des relations civilo-militaires. Je vous encourage. Merci beaucoup. Donc, on va remettre symboliquement Si nous pouvons aller avec vous là. Tous. Tu vois, là tu te mets ici, on te passe un. Ah, papa Bandawana! Attendez d'abord, il faut que vous en ayez. Faites le geste et vous caméra. Voilà, merci beaucoup. Au nom du commandant secteur Sokolade. Soda, les gars, on va faire ça. Soda! Le gros de l'eau. Et après l'autre. Voilà. Non, comment tu as dit? Ouais. Il y a des haricots, des bananes, des fruits, des légumes, 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 des fruits,
Merci. Merci beaucoup, c'est bon déjà. Avec cette image, merci. Hey, dégage. Pardesse, pardesse, et tu n'as pas de pardesse, pardesse, et tu n'as pas de peine. 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 Zingenya maidara
Alors nous sommes ici au bureau de FRDC pour les secteurs opérationnels Sokola 2. Nous sommes venus remettre les vivres, donc la nourriture que nous avons récoltée auprès de la population de Goma. Parce que, comme vous le savez, nous avions lancé la campagne de récolte de vivres pour les FRDC qui sont en train de se battre contre le terroriste M23. Et par cet acte, nous voulons manifester notre solidarité à l'égard de nos militaires, mais également pour leur dire allez-y, courage, nous sommes avec vous, nous sommes les citoyens, mais nous vous soutenons et nous portons tout ce que vous faites dans nos cœurs. Donc, c'est vraiment un signe pour montrer en tout cas à nos militaires que la population de Goma tout entière, elle est derrière vous. Continuez à vous battre. Nous ne voulons pas voir ces terroristes du M23 ici dans notre ville ou dans notre province. Et nous ne pouvons pas accepter d'être dominés par les Rwandais parce que nous savons que ces terroristes sont manipulés par les Rwandais. Et donc, pour nous, une façon encore une fois de dénoncer ces manipulations, de dénoncer ce conflit qui a duré depuis longtemps, de dénoncer cette guerre qui n'a aucun nom. Et nous pensons qu'avec la collaboration civilo-militaire, nos FRDC, ils vont l'emporter et nous allons vivre la paix dans notre province. Cette étape terminée, est-ce que vous allez continuer avec des collectes pour, n'est-ce pas, venir en aide aux FRDC qui sont engagés au front? Donc, ça c'était une action qu'on a fait aujourd'hui. Il y a d'autres actions qu'on avait fait avant. Pendant toute notre existence à Takelucha, nous allons toujours continuer à mobiliser les citoyens en cas de nécessité pour apporter de l'aide à nos militaires. Mais également, nous continuons à dire à nos concitoyens que la guerre continue, mais aussi nos militaires ont besoin de notre soutien. Si quelqu'un a toujours des matériels, de la nourriture et que tu as le cœur de venir aider, en tout cas, la porte elle est ouverte. Nous, on nous a accueillis gentiment, on a discuté bien avec nos militaires. Donc, les gens peuvent toujours nous contacter ou venir directement au bureau du secteur Sokola 2 et on va toujours recevoir leur aide. Oui, s'il vous plaît, Dr. Gislain, vous pouvez nous dire en détail les soins que vous avez amenés ici. Alors, nous avons amené des haricots, nous avons amené des biscuits, nous avons amené aussi de la cigarette, on a aussi amené
des jus, on a amené aussi du sel, on a amené de la farine, on a amené du savon, en fait aussi de la viande, bon, beaucoup de petits articles, même aussi de nos vivres, donc les habits, beaucoup de petits articles qui ont été récoltés par des citoyens qui sont dans les marchés à Virunga, à Lanine, même à Birere. Et c'est vraiment des contributions modiques qui ont été données par des gens ordinaires. Et pour nous, c'était très fort de voir qu'il y a des citoyens qui soutiennent l'armée jusqu'à ce point. Et on a eu quand même l'occasion pendant la campagne d'écouter les discours de différentes personnes. Donc on comprend quand même que le soutien, il est là. Et l'armée devrait savoir que l'accompagnement des citoyens est vraiment total. Parmi les histoires que vous avez amenées, nous avons vu beaucoup de vie, énergie. Vous pouvez nous en dire la signification? Non, en fait, nous avons adapté tout ce qu'on a amené par rapport aux opérations. Nous savons que les militaires, ils sont en train de se battre, ils sont au front, et donc ils ont besoin de beaucoup d'énergie, mais surtout, il y a des ennemis qui peuvent arriver la nuit. Donc, quand vous prenez du jus, de l'énergie, ben, ça peut vous aider en fait, à ne pas avoir beaucoup de sommeil. C'est donc, pour nous, nous voulons que les militaires qui sont au front, ils puissent être vigilants, éveillés, pour essayer de traquer l'ennemi. Monsieur Mouiwa, récemment, Kinshasa a lancé des mesures contre Kigali et ses alliés, les M23. Côté Lucha, comment vous avez appris cela? Il faut dire que nous avons salué ces mesures parce que c'est des signes très forts qui prouvent à suffisance le fait que nos gouvernants sont en train de nous écouter. C'était nos revendications depuis longtemps. Depuis que le M23 a commencé ses activités en novembre, nous avions fait un communiqué dans lequel nous avions demandé déjà à l'époque en novembre 2021 au gouvernement d'expulser même l'ambassadeur Versa Karege qui reste au Congo ou même de couper les relations diplomatiques. Donc aujourd'hui, la semaine passée, nous avons vu le gouvernement qui a pris quelques mesures. Nous pensons que c'est des mesures, c'est des signes très forts, mais on continue à exiger beaucoup plus que ça. Tout ce que nous demandons, c'est l'expulsion de Versa Karege, l'ambassadeur, et même de rappeler notre ambassadeur qui est à Kigali. Nous voulons que, en tout cas, des relations diplomatiques puissent être coupées, rompues, parce que nous estimons qu'on ne peut pas collaborer avec un pays qui est en train d'orchestrer une guerre contre nous. Et donc, le Rwanda, tout ce que nous voyons ici, quand on parle du M23, c'est juste une maquille, c'est juste une maquette, en fait, mais en réalité, ce sont les militaires rwandais qui sont en front, qui sont en train de se battre contre notre gouvernement. Donc, pour nous, il faut rompre catégoriquement avec des relations entre notre pays et le Rwanda. Certains Congolais demandent à leurs dirigeants de déclarer une guerre au Rwanda. Est-ce que la Lucha partage les mêmes avis? Alors nous pensons que les États n'ont pas été faits pour se battre, pour mener des guerres. Mais nous pouvons déclarer la fin des relations diplomatiques et continuer à vivre de manière ouverte avec d'autres pays. On est entouré par par 9 pays. Donc c'est déjà beaucoup. Si le Rwanda peut ne pas collaborer avec les Congos, je ne vois pas l'impact que cela va avoir sur notre vie. Donc pour nous, nous pensons qu'il est temps de cesser de collaborer avec les Rwandais, qui organisent des guerres contre nous, qui tuent nos citoyens. Nous avons vu l'histoire du M23, combien de citoyens ont été tués à Kiwanza, combien de citoyens ont été tués à Rutshuru. Et ces affres de guerre, ils sont trop récents et nous ne pouvons pas accepter que ça continue. C'est pour ça que nous disons, nous voulons qu'il y ait en tout cas, il faut que le gouvernement puisse rompre en fait les relations diplomatiques et on ne peut pas continuer à collaborer avec ce genre de gouvernement. Je vais pour finir, parmi les mesures, il y a la suspension de tous les mouvements des Rwandais sur les sols congolais. Qui est le plus grand perdant entre la RDC et les Rwandais? Au fait, vous vous rappelez, moi je suis économiste, donc je comprends carrément que Rwandair, c'est une entreprise rwandaise. Déjà, c'est le Rwanda qui bénéficie de plus de clients. Donc nous avons nos avions, nous allons toujours nous promener sans problème. Et je ne vois pas, en tout cas les Congolais, on n'a pas perdu. C'est d'ailleurs une idée qui a été contestée au début lorsqu'on a appris que Rwandair venait d'être effectif au Congo. On n'avait pas été content. Donc pour nous, c'est encore une bonne nouvelle. Nous pensons que ça va continuer et nous demandons alors à notre gouvernement de renforcer nos agences d'aviation, ça veut dire Concorde Airways, d'avoir beaucoup plus d'avions, d'avoir beaucoup plus de capacités, surtout de faire voyager nos compatriotes, d'améliorer son service sur le plan de confort, sur le plan de prix et
directement, s'il y a quand même des agences très sérieuses au Congo, on ne va pas avoir besoin des Rwandais qui vont venir au Congo. Donc nous ne perdons rien. Encore une fois, ce sont les Rwandais qui perdent et nous croyons que le gouvernement va maintenir cette décision. Merci. À la lucha. Éditeur. Vous